et également à, à sa parole. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci, Père Très Saint, pour euh, l'œuvre que ton esprit, Seigneur, fait en nous. Et nous voulons te dire merci pour euh, ta fidélité, Seigneur, envers ton peuple. Merci pour, Seigneur, toutes les belles choses que tu nous donnes à, à vivre, à expérimenter. Et nous voulons te bénir également pour, euh, Seigneur, ta, pour toutes les expériences, Seigneur, que tu nous, tu nous fais vivre. Que toute la gloire te revienne. Adonai, Dieu d'Israël. Amen. Frères et sœurs, merci pour euh, en tout cas, vos, vos prières, pour euh, vos encouragements. Nous sommes euh, en train de travailler euh, très très dur, très très durement, pour euh, finir euh, d'ici euh, la fin de ce mois-ci, la fin du mois, le, la révision de la Bible que nous sommes en train de faire. Et euh, nous devons absolument envoyer à l'imprimeur, et euh, pour le 1er octobre, le dossier, le document, pardon, fini. Nous sommes en train de travailler très très durement. Il y en a qui aimeraient certainement nous rencontrer en ce moment. Et vous remarquerez certainement ceux qui sont venus euh, pour nous voir que nous sommes très très pris. Donc pensez à nous dans vos prières. Et, euh, parce qu'il faut absolument envoyer ce, euh, ce PDF, donc ce document à l'imprimeur imprimeur. Sinon, le 19, vous n'aurez pas de Bible. Mais comme Dieu est fidèle, et euh, on aura fini d'ici là et vous aurez bel et bien vos Bibles pour le 19 décembre prochain. Lors de la veillée d'action de grâce, que Dieu soit glorifié. Merci en tout cas pour vos soutiens, pour euh, vos conseils, tout ça. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles dans le livre de Nombre chapitre, euh, au chapitre 25. Voilà. Dieu est-il bon Dieu est-il amour Dieu est-il fidèle Oui, frères et sœurs, il est. Et c'est pour cela que nous voulons, n'est-ce pas, partager euh, ce passage de Nombre chapitre 25. Nous allons parler, n'est-ce pas, de la génération de finés n'est-ce pas la génération de Finé Finé était un homme euh, un homme de dieu Finé était euh, enfant n'est-ce pas de, euh, enfant d'aaron il était euh, sacrificateur souverain sacrificateur un homme très fidèle attaché à l'évangile attaché à, à la parole de dieu un homme qui était profondément n'est-ce pas euh, euh, attaché euh, aux saintes écritures et il a su prendre position pour justement défendre ses écritures. Et euh, donc, euh, nous avons dans la, dans la parole du Seigneur, dans la Bible, beaucoup de euh, personnes qui ont servi Dieu fidèlement. Hein, donc, fidèlement. Donc, euh, parmi ces personnes, il y a justement Fini. Donc, Nom chapitre 25, nous lirons à partir du verset 1 Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple euh, au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal Peor Et la colère de Yahweh s'enflamma contre Israël. Yahweh dit à Moïse, Assemble tous les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant Yahweh en face du soleil, afin que la colère ardente de Yahweh se détourne d'Israël. Fais pendre. Voilà. Moïse dit aux juges d'Israël, Que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à baal Peor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée d'Israël des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phine, fils de Léazar, fils du souverain sacrificateur, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente. Et il le perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut vingt-quatre mille qui moururent de la plaie. Yahweh parla à Moïse et dit Phinée, fils d'Éléazar, fils du, du sacrificateur, Aaron, a détourné ma fureur. De dessus les enfants d'Israël, parce qu'il était animé de mon zèle au milieu d'eux, de mon zèle ou de ma jalousie. Et je ne point, dans ma colère, consumer les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras, n'est-ce pas, tu, tu, tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été animé pour son Dieu. Donc il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Voilà, frères et sœurs, Dieu va témoigner de cet homme, de Fine, tout simplement parce qu'il a pris position pour la vérité. Et euh, il y a eu près de 24 000, n'est-ce pas, décès en Israël, dans le désert, bien sûr, et euh, de Sinaï, à cause justement de l'association ou de la, de, de la, de la, de la, de la fornication n'est-ce pas, de, de cette -ce pas, fornication liée à l'idolâtrie, n'est-ce pas, à l'adoration des divinités païennes. Alors, et, euh, mes amis, vous qui aimez la vérité, vous qui aimez, euh, n'est-ce pas, être euh, enseigné correctement, regardez ici dans ce passage, dans, 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 dans Nombre 25. Le nom de Baal Peor est très significatif. On sait tous que Baal signifie maître ou encore possesseur ou encore seigneur. Et Péor, justement, euh, 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 signifie brèche. Donc, Baal Peor signifie seigneur ou encore le dieu des brèches ou encore le seigneur de la brèche. Donc, et euh, cette divinité, donc Baal, qui est à la base, bien sûr, qui est à la base un démon, va faire une brèche, n'est-ce pas et euh, va ouvrir un accès, va avoir accès, n'est-ce pas, à l'Assemblée des enfants d'Israël, des Israélites, alors que bien avant que les Hébreux ne soient, ne soient engagés dans cette débauche en Israël, justement, dans cette Assemblée d'Israël, il n'y avait pas de brèche. Tout était fermé, il n'y avait pas une seule porte d'entrée par laquelle les démons pouvaient, n'est-ce pas, entrer pour attaquer ce peuple. Tout était barricadé. Ce peuple était protégé. Ce peuple était soumis à la parole de Dieu. Regardez un peu ce qui va se passer, ce qui s'est passé avant euh, Nombre 25. Et euh, dans Nombre, justement, chapitre, au chapitre et, euh, 22, on apprend que euh, la parole nous dit à partir, à partir du verset 1er, les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis -vis de Jéricho. Balak, hein, Balak fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Tant qu'Israël craignait Dieu, n'est-ce pas, ce peuple, donc les, les Hébreux, semait la terreur partout où il passait. Pourquoi Parce qu'il y avait la crainte de Dieu. Parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Parce qu'ils aimaient Dieu. Parce qu'ils avaient du respect pour sa loi, pour sa, son alliance. Et la parole nous dit au verset 4, Moab dit aux anciens de Madian, Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors Roi de, roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire « Voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis -vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple car il est plus puissant que moi. » Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Donc Balak, roi de Moab, a eu peur des Hébreux et il va, n'est-ce pas, faire appel à Balaam, qui était, n'est-ce pas, d'Aram, c'est-à-dire Balaam était euh, de Babylone, et Balak va le faire venir jusqu'à Moab, n'est-ce pas, afin qu'il le maudisse les enfants d'Israël. Et c'est ce que Balaam va faire également. Balaam va, sa, va, va se rendre auprès de Balak, roi de Moab, dans le but de maudire les Hébreux. Voilà. Donc, et, et puis nous sommes dans le chapitre et, 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 et 23, n'est-ce pas Balak, Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet hôtel et prépare-moi ici cet taureau et cette bélier. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak... Et Balaam offrit un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai peut-être que Yahweh viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me, me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au devant de Balaam, et, n'est-ce pas, Balaam lui dit, je dressais cet hôtel, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Yahweh mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, Retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retournera vers lui. Il retournera. Il retourna vers lui. Et Balak, et voici Balak, se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Donc Aram, bien sûr, c'est euh, euh, Babylone. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes, n'est-ce pas, de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, Soit irrité contre Israël. Et le verset 8 nous dit du, du chapitre 23. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit Comment serais-je irrité quand Yahweh n'est point irrité Voilà, donc, et euh, donc Balaam ne pouvait pas maudire, n'est-ce pas, les Hébreux, parce que Dieu les avait bénis. Vous ne pouvez pas maudire quelqu'un que Dieu a béni. C'est impossible. Et il se trouve que ce peuple, donc les Hébreux, Dieu les avait bénis parce qu'ils craignaient Dieu. Parce qu'ils marchaient selon la loi de Dieu. Donc ils avaient la bénédiction avec eux, la protection de Dieu. N'est-ce pas? Donc aucune malédiction ne pouvait les atteindre, comme la parole le dit dans, dans Proverbe 26, n'est-ce pas? Et euh, que la malédiction sans cause n'a point de fait. Et Balak, roi de Moab, qui avait peur des Hébreux, a tout fait pour que ce peuple soit maudit, mais Balaam ne pouvait, ne pouvait pas maudire ce peuple, parce que Dieu l'avait béni tout simplement, et, euh, et voilà, et par la suite, qu'est-ce qu'on va prendre Qu'est-ce qu'on va apprendre Eh bien, Balaam va finir par bénir, n'est-ce pas, le peuple à trois reprises, à trois reprises, Balak a voulu que le peuple soit maudit, et à trois reprises, n'est-ce pas, Balaam, le prophète, va bénir ce peuple, parce que Dieu l'avait béni, voilà, et puis nous sommes dans le chapitre 24. Et, euh, et euh, au verset euh, et euh, euh, 10, la colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu l'as, hein, tu les as bénis déjà trois fois. Voilà, donc à trois reprises, eh bien, Balaam va être poussé par Dieu pour bénir les Hébreux. Et j'insiste, pourquoi Parce que les Hébreux craignaient Dieu. Israël, dans le désert, était l'assemblée de Dieu, l'Ecclésia de Dieu, l'Église de Dieu. N'est-ce pas Comme nous autres aujourd'hui, n'est-ce pas Nous traversons les déserts de nations, s'il y en a plusieurs, n'est-ce pas Jusqu'au ciel. Et jusqu'au royaume de Dieu. Eh bien, pendant cette traversée, justement, frères et sœurs, eh l'ennemi, les hommes de ce monde, cherchent chercheront, n'est-ce pas, On cherché, cherchent et chercheront à nous maudire, à nous freiner dans notre marche. Beaucoup d'hommes de ce monde, utilisés par l'ennemi, chercheront à vous détourner, à vous éloigner de votre euh, euh, destination finale qui est le ciel, vous qui êtes enfant de Dieu. Et euh, si vous craignez Dieu, tant que vous craindrez Dieu, ces hommes, ne pourront, ces hommes et ces femmes, les sorciers, Satan, les démons, ne pourront rien contre vous, n'est-ce pas Les religieux ne pourront rien contre vous. Quelles que soient leurs leur paroles, leurs menaces, leurs complots, ils ne pourront rien contre nous, contre vous, contre nous, tant que la crainte de Dieu sera dans notre cœur. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Et euh, ce peuple était béni et personne ne pouvait les maudire. Personne. Pourquoi Parce que dans cette assemblée d'Israël, il y avait la crainte de Dieu. Il y avait la parole de Dieu. Eh bien, il va se passer quelque chose de très, très grave, justement. Une brèche va être faite. D'où le nom de Baal Peor, c'est-à-dire le Seigneur de la brèche. Une brèche va être faite où, justement, eh bien, au sein de cette assemblée d'Israël. Et comment cette brèche va être, euh, va être faite? Eh bien, justement, frères et sœurs, et, euh, nous sommes dans nombre, n'est-ce pas? Dans nombre, nous sommes dans Nombre, chapitre et, euh, 31, verset 16. Nombre 31, le verset 16. Comment une brèche a été faite en Israël, dans l'assemblée des Juifs, pour permettre à l'ennemi, n'est-ce pas, d'y entrer, aux esprits de mort, de frapper, parce que Dieu a frappé, mais le Seigneur se sert aussi, n'est-ce pas, des esprits impurs, qu'on le voit, donc, euh, euh, pour pouvoir amener le jugement. Hein, euh, voilà, ces jugements, pour pouvoir exercer ces jugements, n'est-ce pas, euh, euh, sur les, les nations, dans les peuples, dans les nations. Et nous sommes dans Nombre 31 au verset justement euh, 16. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers Yahweh dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de Yahweh. Voici, ce sont elles, elles qui, les Moabites, les femmes, n'est-ce pas, originaires de Moab, qui avaient été conseillées par Balaam le prophète qui aimait les honneurs et parce que Balaam a vu que Dieu le poussait à bénir le peuple parce que ce peuple craignait le craignait parce que ce peuple craignait Dieu marchait sur la parole et bien Balaam a n'est-ce pas conseillé les Moabites donc forcément Balak le roi des Moab Balaam va leur donner un conseil très très méchant très très rusé et euh, en leur disant, eh bien, comme ce peuple ne peut être maudit à cause de son amour pour la vérité, eh bien, il faudrait, n'est-ce pas, envoyer vos belles filles séduisantes, les séduire, donc séduire ce peuple et les entraîner à l'idolâtrie, parce que leur Dieu, en gros, n'aime hein, pas, n'est-ce pas, l'idolâtrie, parce que leur Dieu a dit justement qu'il ne faut pas qu'ils aient un autre Dieu devant sa face. Eh bien, il faudrait les entraîner à l'idolâtrie. Les entraîner à, à la, la n'est-ce pas, à l'adoration des divinités, de vos divinités, de vos, vos, dieux, des démons. Paul disait dans 1 Corinthiens 10, 25, n'est-ce pas, 1 Corinthiens 10 là-bas, 25, 26, que vous ne pouvez pas avoir, n'est-ce pas, euh, prendre part à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous ne pouvez pas prendre la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Eh bien, Balaam a proposé à Balak et aux Moabites de, n'est-ce pas, envoyer, d'envoyer des belles filles Moabites séduisantes. Pour séduire, voyez, pour séduire les enfants d'Israël et les attirer, les attirer à l'idolâtrie. Et, et c'est exactement ce qui s'est passé. Les filles moabites sont arrivées dans l'assemblée des enfants d'Israël avec leur séduction, avec leurs belles paroles. Elles ont réussi à séduire les Hébreux, à les entraîner. Elles ont invité les Hébreux, n'est-ce pas, à prendre part à leur culte, n'est-ce pas, idolâtre. Il y, avait certes, il y avait certainement des orgies hein, sexuelles, tout ça. Donc, euh, et c'est ce que le chapitre 25 nous dit justement, que et, euh, Israël arrivait à Sittim, et c'est là que le peuple va commencer à se livrer à la débauche, parce que Balaam était derrière. C'est lui qui a orchestré tout ça. Le prophète qui voulait, qui voulait les honneurs. Frères et sœurs, c'est terrible. Donc l'Assemblée d'Israël a été infiltrée. L'Église de Dieu a, 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 dans le désert de Sinaï, donc Israël a été infiltré. Voyez, on appelle ce groupement d'hommes, donc d'Israël, « Assemblée », l'ecclésia Voyez, c'est une préfiguration de l'Église, donc l'Assemblée. Et voilà comment Satan va procéder. Satan va trouver, n'est-ce pas, euh, il, va se, il va se servir de la parole de Dieu, qui demandait aux Hébreux de ne pas avoir d'autres dieux, donc Exode 20, devant sa face, Exode 20, dans Exode 20, et voilà comment Satan va se servir de cette parole pour pouvoir atteindre les Hébreux. Et quand les Hébreux vont... Une fois qu'ils vont céder à la tentation, eh une brèche, bal péor, péor veut dire brèche, bal seigneur. Donc le seigneur de la brèche, le dieu, le démon de la brèche a trouvé, n'est-ce pas, a pu faire une brèche en Israël et il a, n'est-ce pas, il a eu accès à cette assemblée. Et voilà comment la colère de Dieu va éclater et près de 24 000 personnes vont décéder, vont mourir, frères et sœurs. Et Dieu, dans, n'est-ce pas, dans Ézéchiel 22, 30, ce passage que beaucoup connaissent, Dieu nous dit dans Ézéchiel 22, 30, qu'est-ce que le Seigneur nous dit Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Voyez je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur Yahweh. Voilà. Donc, Dieu cherche maintenant un homme qui se lève, qui se tienne à la brèche. Eh bien, quand il y a eu la brèche en Israël, dans l'Assemblée d'Israël, eh bien, il y a eu un homme qui s'est levé, qui s'est tenu, mes amis, à, à, à la brèche, et c'était Finé. Finé a détourné, comme on l'a vu, hein, Donc, Finé s'est tenu à la brèche, donc devant Baal, Péor, ce démon. Et Finé, donc, a su détourner, n'est-ce pas, la colère de Yahweh de cette assemblée. Il y a eu quand même 24 000 morts, frères et sœurs. Et il nous faut aujourd'hui des hommes et des femmes, n'est-ce pas, dans nos assemblées, dans nos pays, dans nos villes, qui soient à l'image de Finé qui soient, mes amis, euh, 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 des, qui, qui, qui est, des hommes et des femmes qui ont pour modèle Finet. Finé n'a pas regardé, mes amis, euh, à, à, il pas, Finé n'était pas un homme sentimental. Finé ne s'est pas dit, oui, mais ce, cet homme ou cette femme, j'ai collaboré avec lui, je, je, je le connais, je la connais depuis des années, c'est mon père de la foi, c'est mon fils, tout ça. Non, Finet, qui était un homme qui craignait Dieu, parce que c'était un sacrificateur, nous dit la parole, donc c'était un homme dont la vie était consacrée qui portait l'onction sainte, qui était mise à part pour Dieu, mes amis, et, euh, et fini a su correctement, mes amis, euh, euh, exercer sa fonction hein, de sacrificateur. Et euh, donc, il a, il, a, il a pris une épée, nous dit la parole, il a pris l'épée, donc l'image de la parole de Dieu, et il a, mes amis, euh, 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 comment dire, bah, décapité euh, les personnes qui étaient à la base hein, de, cette, de cette plaie. Eh Aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas de tuer physiquement hein, les gens, de ne pas euh, combattre charnellement, parce que le combat selon Ephésiens 6, 12 et, euh, et 2 Corinthiens 10, 3, le combat est spirituel. Maintenant, nous devons nous servir de la parole de Dieu, de l'épée de l'Esprit de Dieu. Et de défendre l'évangile, de nous tenir. Hein, donc on doit prendre l'évangile, la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit et nous tenir, frères et nous devons nous tenir face à l'adversaire. Et, euh, et nous devons, mes amis, être devant les brèches qui sont faites dans nos villes, dans nos pays, dans nos assemblées aujourd'hui, pour défendre la Sainte, la sainte Doctrine. L'esprit de bal peor, c'est-à-dire l'esprit de la compromission, l'esprit de la cupidité, l'esprit de le mes amis, de mélange entre les assemblées de Dieu, hein, les chrétiens et le monde. Et vous voyez, cet esprit, n'est-ce pas, de la compromission, de l'écuménisme, du syncrétisme, cet esprit, mes amis, des associations, des fédérations, des pasteurs, tout ça, cet esprit est rentré dans nos assemblées, dans nos églises aujourd'hui, frères et sœurs. Et il nous faut une génération de finés qui se tiennent à la brèche, qui ont pris l'épée. L'épée, mes amis, le Seigneur dit dans Matthieu 10, qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Les paix. L'épée les paix apporte la division, la séparation, n'est-ce pas Ces hommes et ces femmes, à l'image de Finé sont des messagers et des messagères qui apportent un message, mes amis, qui apportent un message qui, n'est-ce pas, provoque la séparation. C'est des hommes et des femmes qui amènent, selon le plan humain, du trouble, mais un bon trouble, parce que ce trouble-là produit la vie. Comme Paul, dans Acte 17, verset 6, on nous dit de lui et de Silas, ces hommes qui bouleversent le monde sont arrivés jusqu'ici. Vous voyez, frères et sœurs, il nous faut la génération de parce que nous sommes dans une génération où il y a le mélange. Regardez dans Apocalypse 17, on nous parle de cette femme qui avait une coupe d'or remplie de poison, remplie d'impureté impure, de sa prostitution. Cette coupe-là, mes amis, eh bien, beaucoup la boivent, beaucoup boivent ce vin de la débauche, ce vin, mes amis, qui... qui, qui pousse les gens à prêcher l'évangile de la prospérité, qui pousse les gens à amener les gens à s'attacher plus au bâtiment qu'à qu qu Dieu, qui amène les gens à mettre des pasteurs, à mettre des partenaires financiers dans leur bâtiment d'église pour avoir de l'argent. Ce vin de la débauche, mes amis, euh, euh, pousse vos dirigeants à... à, à, à à, à, à s'associer avec des pasteurs adultères, un public voleur, et qui, mes amis, euh, qui sont là sur le net, on voit bien comment ils sont paganisés, comment, mes amis, ce n'est plus l'évangile de la, de la, du retour de Yeshua, de, de la sanctification, de la sainteté qui est proclamée, mais c'est carrément un évangile qui prépare les chrétiens à, euh, n'est-ce pas, à, à se soumettre à une domination, mes amis, complètement charnelle, démoniaque, à des esprits démoniaques. Et euh, donc, on, on vous amène à être beaucoup plus enfermés dans vos villes, dans vos bâtiments d'église, et à ne pas aller voir ailleurs ce qui se passe ailleurs. On vous, en, on vous interdit pratiquement de regarder d'autres vidéos, d'aller prier avec d'autres frères et sœurs ici et là. On vous enferme, on veut à tout prix vous enfermer dans vos villes, dans vos bâtiments, dans vos maisons. Dans... C'est cet évangile qui vous, en, qui vous met en prison. Paul nous dit dans Galates 5, au verset 1 mes amis, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et cet évangile vous, n'est-ce pas, pousse à avoir des maîtres au-dessus de vous, des pères spirituels qui vous contrôlent, qui vous, qui vous contraignent à, à les servir, mes amis, et il nous faut définir, justement, parce qu'il y a des brèches, hein, des ouvertures qui sont faites dans nos assemblées. Et ça a permis, aux, ça, ça a libéré. Ça a ouvert la voie aux démons qui sont rentrés dans les églises pour amener la musique profane, le rap, le rock et les danses profanes dans les églises pour amener, mes amis, un système complètement pyramidal où on voit les hommes établir leurs femmes pasteurs, l'homme gère l'église et sa femme gère les femmes au sein des églises. On voit ces églises qui sont devenues des mini-empires. Mes amis, où règne les couples, où règne les enfants, où règne mes amis les cousins, tout ça là, c'est le monde carrément dans l'Église. Et, euh, et il vous faut sortir de ces endroits, car le Seigneur est en train de revenir, frères, sœurs, et Dieu est en train de susciter une génération de finés qui prennent l'épée de la parole pour défendre non les hommes, pour défendre non les dénominations, non leurs bâtiments, non leurs maisons d'Église où il y a des assemblées, mais pour défendre la saine doctrine, pour défendre la vérité. Il nous faut des finés. Il nous faut, mes amis, des sacrificateurs consacrés, mes amis, qui prennent position pour la vérité. Et Paul disait à Timothée, combat le bon combat de la foi. Paul disait à Timothée également dans 2 Timothée 4, n'est-ce pas Prêche la parole. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Prêche la parole en toute occasion ou non, favorable ou non car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant, mes amis, euh, la démangeaison d'entendre des choses agréables et ils se donneront une foule de docteurs. Voilà. Donc détournant l'oreille de la vérité et euh, prêchant des fables. Et il nous faut, frères, c'est urgent, une génération nouvelle, hein, de, 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 de finer, des hommes et des femmes qui ne sont pas attachés au bâtiment, qui ne sont pas attachés au monde, qui ne sont pas attachés aux choses de ce monde, mais qui défendent la Sainte Doctrine. Quelle est la sainte doctrine C'est le fait de dire qu'à part Jésus, il n'y a pas de véritables apôtres. À part Jésus, il n'y a pas de véritables pasteurs. Que Jésus-Christ est le seul véritable apôtre, le seul véritable, le seul pasteur, le seul prophète, apôtre, docteur, évangéliste le seul ancien, véritable, mes amis. Et euh, Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. C'est l'évangile qui est basé sur la croix et non sur les finances, non sur l'argent. C'est l'évangile de la gratuité. Nous avons reçu gratuitement, nous devons le donner gratuitement. C'est l'évangile qui veut que les, ceux qui ont des champs, mes amis, ne doivent pas se faire voir avec des vidéos à gauche, à droite, avec des clips, je ne sais pas quoi, où on les voit, eux, au lieu de voir celui qui, est, qui doit être adoré frères et sœurs, parce que dans l'adoration, c'est Dieu qu'on voit et ce ne sont pas les hommes qu'on qu voit. Et cet évangile qui veut que, frères et sœurs, eh les concerts doivent être euh, des, des temps d'adoration, l'entrée doit être gratuite, et, euh, les séminaires doivent être gratuits, les, les conférences gratuites, mes amis, il ne doit pas y avoir des partenaires financiers dans les assemblées parce que c'est Dieu qui finance son œuvre, mes amis. Eh bien, la dîme, c'est la loi, on n'a pas à l'exiger, vous n'avez plus à la payer, frères et sœurs que le dimanche n'est pas le jour du Seigneur, que vous pouvez prier le Seigneur même avec vos familles, cet évangile qui veut que le culte familial soit restauré comme Noé, comme avec Lot, mes amis, qui ont su sauver leurs enfants en leur prêchant l'évangile, ben, cet évangile qui veut que, mes amis, Dieu qui veut sauver les familles, que des familles soient restaurées d'abord, que nos parents soient respectés, plutôt que de les déconsidérer parce qu'on porte des titres, apôtres, prophètes, je ne sais pas quoi, qu'on respecte, comme la parole le dit, honore ton père et ta mère. Donc, cet évangile la frères et sœurs, qui amène les gens à respecter leurs parents, à respecter, mes amis, les, les frères et sœurs, cet évangile qui veut qu'on qu ne soit pas attaché au titre, mais qu'on qu qu est tous, que nous sommes tous frères et sœurs, comme Jean dans un neuf n'est-ce pas? Mais il se présente comme un simple frère, moi, Jean comme, moi, Jean, votre frère. Cet évangile qui veut que eh ben, eh, on peut, eh, qui, voilà, qui veut que ben, les, les, les apôtres, les prophètes soient des hommes simples, qui ne cherchent pas à gérer des régions tout entières, mais c'est des hommes et des femmes qui sont simples, qui annoncent simplement le retour du Seigneur et qui n'empêchent pas les chrétiens d'aller voir ailleurs, qui ne sont pas là pour, n'est-ce pas, contrôler les chrétiens, pour bénir leur mariage, parce que c'est complètement religieux tout ça. Cet évangile-là, mes amis, qu'il faut défendre. En gros, c'est l'évangile de la croix, la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. La gratuité de l'évangile. La gratuité de l'évangile. Cet évangile qui veut que, mes amis, qu'il y ait les nations qui soient touchées. Pas seulement des églises, pas seulement les gens de nos pays. Que cet évangile qui, qui condamne, qui dénonce euh, les églises euh, qui mettent l'accent sur, euh, sur la race, sur la couleur de la peau. Où l'on voit si le pasteur, par exemple, est congolais, il n'y a que les congolais autour de lui. Si le pasteur est, 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 est blanc, il n'y a que des blancs. S'il est africain, il n'y a que des africains. Tout ça. Ces églises complètement ethniques. Alors que, mes amis, la parole nous dit qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, tous sont un en Christ. C'est eh cet évangile, mes amis, sur le retour de Yeshua, sur le, la nouvelle Jérusalem, sur les noces de l'agneau, sur le juge, les jugements à venir, sur, euh, mes amis, l'homme impie qui est, qui est déjà là. Cet évangile, mes amis, qui annonce également, qui nous, qui nous prépare, mes amis, euh, 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 pour euh, le retour du Maître. Cet évangile qui nous enseigne que il y a la, la, la grande tribulation arrive, n'est-ce pas, se, se, se met en place va bientôt se, se mettre en place, qui nous annonce la, la future, euh, comment dire, troisième guerre mondiale, l'Armageddon, cet évangile pur, véritable, qui est christocentrique, où Christ est seul et lui seul, Jésus-Christ de Nazareth, qui est au centre. Ben, frère, il nous faut des finis, il nous faut des défenseurs de la sainte doctrine. C'est le temps. Vous qui suivez ces enseignements, vous qui nous écoutez ce soir, ou demain, ou plus tard, je ne sais pas, vous qui aimez la vérité, ne restez plus dans la compromission. Vous qui connaissez la vérité, si vous vous taisez, Dieu vous demandera des comptes. Ne cherchez plus à plaire aux hommes, cherchez à plaire à Dieu. À plaire, n'est-ce pas, à votre Père céleste, à notre Père, Adonai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, notre Créateur, à nous tous. Frères et sœurs, anciens pasteurs, docteurs, évangélistes, diacres, prophètes, et, euh, euh, et euh, vous qui aimez Yeshua, notre maître, il est temps. Il est presque minuit dans l'horloge de Dieu. Il est presque minuit. C'est le moment de se lever et de défendre la sainte doctrine. Frères, sœurs, nous ne sommes plus, n'est-ce pas, à autant à l'époque où il fallait plaire aux gens. Fini cette époque où on était dans les sentiments. Il est l'heure de se lever et de proclamer la parole véritable. La paix au nom de Yeshua. Que Dieu vous garde. Nous vous donnons rendez-vous euh, demain soir et également euh, ce samedi pour votre programme habituel, le programme de réveil, qui prendra fin, ce programme de réveil, le 6 décembre prochain. Et ensuite, comme vous le savez, nous allons tourner partout. Vous êtes nombreux à nous appeler depuis vos pays, notamment par rapport à la, à la révision de la Bible. Donc, et pour, pour savoir comment vous la procurez, donc, on vous donnera tous les détails dans les prochains jours, mais nous avons besoin actuellement de vos prières, car le travail est immense. Vous êtes nombreux à nous encourager, à nous envoyer des mails d'encouragement, et nous le sommes, croyez-moi. Et euh, vous êtes nombreux à prendre part à cette œuvre qui se fait grâce au Seigneur, par, des, par vos dons. Que Dieu soit béni pour tout ce que vous apportez à, à cette œuvre. Et euh, il y a des enfants de Dieu dans le monde entier qui ne font pas partie de ce ministère, mais qui aiment le Seigneur Yeshua, qui ont peut-être plus de connaissances que nous, plus, qui peut-être aiment Dieu plus que nous. Et nous voulons encourager ces frères et sœurs également, partout, de partout, à tenir bon. Yeshua revient. Unissons-nous dans la prière, prions les uns pour les autres et défendons surtout la saine doctrine. Même si on doit être lapidé, égorgé, défendons la saine doctrine. Qui veut également que nous respections les autorités qui sont établies. Les policiers, les gendarmes, les rois, les ministres, les autorités, comme Timothée 2 le dit. C'est cet évangile que nous prêchons, frères. Que Dieu vous garde, bon courage et à bientôt. On nous dit Yeshua. Et euh, je tenais avant de finir à vous faire une annonce que euh, une annonce le 5 octobre nous serons à niort pour euh, un dimanche pour un programme de réveil donc toutes les informations sont sur euh, ou seront sur le site de tv de vie et euh, donc le 5 et, euh, octobre on sera donc nous serons avec une équipe avec, avec l'équipe de tv de vie à niort donc en province et euh, pour un programme de réveil toute la journée si je me trompe donc euh, voilà et euh, et puis euh, par la suite, je crois que le 12, on sera, si tout va bien, à Trappe aussi. Et, euh, et ensuite, on va tourner. Vous êtes nombreux à nous appeler depuis euh, vos villes, à Lyon, Nantes et, euh, et à Bordeaux, et euh, dans les grandes villes de France, dans, à Lille, dans plusieurs pays. Et euh, nous voulons vous dire, frères et sœurs, que bientôt nous allons tourner. Alors pendant ces tournées, on vous donnera tous les détails, hein, bien sûr, dans les, dans les prochains mois. On va prendre des salles d'hôtel où on va aller carrément sur les parcs, hein, dans les parcs. Mais pendant l'hiver, on va prendre des salles d'hôtel essentiellement, ou dans vos maisons pour apporter l'évangile et euh, crier, et puis on va vous laisser avec le Seigneur. On a plus cette vision de vouloir bâtir les églises, parce que c'est vous qu'il faut bâtir et non chercher à, à construire ou à, à, à trouver des locaux pour vous enfermer là-dedans. Ce n'est pas ça l'objectif. Que Dieu vous garde, frères et sœurs, et à bientôt. Au revoir.